Yo les potes NCU, nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment ne plus avoir un bug quand vous lancez Fortnite. D'ailleurs j'ai le ok dans cette vidéo, j'espère que ça va pas vous déranger, je suis désolé. C'est juste un petit ok. Du coup, je pense que beaucoup de personnes ont ce bug. Vous lancez Battle Royale et là vous avez vos deux cinématiques. Les deux cinématiques de base, parce que les cinématiques elles veulent pas s'enlever. Et dans à chaque fois que je lance le jeu, il y a les cinématiques. Et du coup, après, il y a un fond d'écran noir et il y a une petite flèche. On a beau appuyer sur la flèche, appuyer sur échappe, etc. L'écran noir ne veut pas partir. Je vais pas le faire parce que je sais qu'il y aura l'écran noir et j'ai pas envie de relancer mon jeu. Ça va mettre un petit peu de temps pour la vidéo. Du coup, genre, quand je le lance, il y a un écran noir et c'est vraiment chiant. Je vais vous montrer deux techniques, les gars. Une technique qui va marcher et vous aurez plus jamais l'écran noir. Mais elle est un petit peu longue. Enfin, pas vraiment longue, mais genre, c'est un peu chiant. Et deuxième technique. Il y aura toujours le fond d'écran noir, mais ça vous permet de l'esquiver. Donc la première technique, c'est la deuxième que je vous ai parlé, c'est pour l'esquiver. Au lieu de cliquer sur Battle Royale, les gars, vous allez cliquer sur Créatif. Et vous allez voir que je n'aurai pas l'écran noir. Et ça va pas vous mettre dans le créatif. Voilà, vous voyez, j'ai les trailers, hop, voilà. Et là, hop, bah il n'y a pas l'écran noir. Alors que si je relance Battle Royale, il y aura les deux trailers plus l'écran noir qui est bugué. Du coup, voilà, il y a les actuels. Et les actus, et là vous voyez, ça met créatif, mais après regardez, hop, vous changez et vous mettez n'importe quel mode. Et la deuxième technique, hop, je vais vous le montrer très rapidement, on va fermer Fortnite. Hop, vous allez dans Epic Games, donc là c'est la technique pour plus jamais l'avoir, comme ça quand vous cliquez sur Battle Royale, il n'y aura plus le fond noir. Donc vous lancez votre Epic Games Store, et ceux qui sont pas sur Epic Games, vous lancez je sais pas quoi. Vous allez dans votre bibliothèque de jeux sur Fortnite, les trois petits points qui sont là. Et vérifier le jeu. En gros, vérifier le jeu, ça permet de, on va dire, c'est pas comme une mise à jour, mais en gros, c'est comme si vous mettiez votre jeu, comment dire, genre vous le nettoyez, on va dire, voilà. Comme si vous le nettoyez, genre il y a plus de problèmes, etc. Bref, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est surtout, par exemple, si vous avez utilisé des logiciels de hack, etc., quand vous faites vérifier, ça vous les supprime, etc., ça vous clean le jeu. Et en gros, quand vous allez vérifier le jeu, et ben vous aurez plus l'écran noir. Mais des fois, ça peut mettre vraiment beaucoup de temps. C'est comme une mise à jour un petit peu. Donc si vous voulez le faire, faites-le. Moi, je l'ai déjà fait une fois. Je sais que c'était pas mal long, mais après, ça m'a résolu des problèmes. Donc si vous voulez le faire, faites-le. En tout cas, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Pensez au code créateur NCU dans la boutique Fortnite. Ciao!